THQ. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à MotoGP, jeu sorti sur PC en 2002. À ne pas confondre avec la série faite sur PlayStation 2 qu'on avait testé à l'époque. Donc, un jeu sur ordinateur plutôt sympa. Hein. J'avais ce jeu à l'époque, j'avais la démo surtout. Et ce qui m'avait plutôt impressionné à l'époque, c'est qu'on pouvait jouer sur un Pentium 3 450 MHz. Alors que le jeu est plutôt beau, et à l'époque, avec une GeForce 2 Ti de 100, le jeu était ultra fluide, et franchement c'était génial. Donc c'est parti, on a un mode course rapide, championnat arcade, grand prix, on peut faire des exercices, une course chrono, un mode multijoueur. On a le menu options que je vais vous montrer. Au niveau des paramètres de jeu, donc on peut choisir le volume de course, les effets sonores, le nom, si on veut l'afficher en grand prix ou pas, le nom de tous les joueurs qui sont, enfin les concurrents autour de nous. On a la carte du circuit, si on veut l'afficher ou pas, je vais l'afficher, vous allez voir, c'est sympa. Le nombre de tours de course rapide et le nombre de tours pour les grands prix. On a transmission manuelle ou auto et on peut activer les surchauffes moteurs, ce que nous allons faire. La bande son. Alors vous allez voir que le jeu est assez fort, on a des morceaux MotoGP dans le désordre, on va laisser comme ça. J'adore cette musique de fond, je la trouve ultra calme, elle est vraiment bien. On a des bonus, par exemple pour avoir les circuits à l'envers, on peut avoir... le circuit de Sheridan, mode légende, mode cartoon, donc c'est pas mal de choses à débloquer sur ce jeu. On peut voir des vidéos, par exemple d'intro de Suzuka, de Rerest, de chaque circuit. Les meilleurs scores, et donc pas mal d'options plutôt sympas. On va faire, pour commencer, ben, pourquoi pas un petit grand prix, histoire de s'amuser un peu. Alors, vous allez voir que j'ai créé un joueur qui s'appelle Joueur. Et on va faire par exemple un nouveau pilote, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne. On peut choisir la difficulté, je vais mettre Pro, qui pour moi est une difficulté assez bien dosée. On peut choisir par exemple, vous allez voir, on peut choisir le nom du joueur, donc par exemple on va mettre Kim, voilà, on va faire comme ça. Les initiales, alors du coup ça va être facile, voilà. On peut choisir notre contrée. Donc on a tout ça comme pays au choix. Je peux faire un pilote pakistanais si j'ai envie, un pilote russe, Singapour, Slovaquie, Suède, il y a pas mal de choix. Mais écoutez, on va faire un pakistanais pour une fois. Et là, on peut choisir le type de moto. Et vous pouvez voir qu'on a des voitures qui sont plus ou moins rapides. Et toutes les licences de la saison, je crois que c'est 2001 ou 2002, je sais plus, de moto. Donc là, par exemple, on a la Honda TSR, Honda 500, la NSR 500V, et chaque moto, correspond à une team. Les Protec Eco, la Tico, on a quoi? Ça, c'est une Patton RG, je sais pas ce que c'est. Ouh là là, dégueulasse. Vous avez, on a les étoiles à droite, qui me disent à peu près si la moto est bien. Proton KR V3. On a une Maverick, je sais pas ce que c'est, CI Force, Interceptor, Suzuki, voilà. En fait, c'est plutôt le nom en dessous qui nous intéresse, là, c'est une Sabre, par exemple. Une Yamaha ici, on a les Honda qui sont pas débloquables pour le moment. Mais si on veut, on peut débloquer aussi ces motos. Alors moi, j'étais un aficionado de l'écurie Proton. Peut-être que vous le savez déjà, mais bon, du coup, je vais prendre celle-là. On peut changer les couleurs, donc ça c'est cool. Si je veux faire une moto orange et noir, par exemple, hein, comme elle faisait à l'époque. Voilà, vous allez voir, c'est assez cool. Voilà, noir, avec des petits liserés blancs. Bon, évidemment, on peut faire beaucoup plus beau. Mais bon. On peut faire un accord avec la combi, voilà, ce qui fait que ma combi sera de ce style. On va revenir en arrière. La combinaison, je peux choisir si je veux faire une combinaison d'une couleur totalement différente, par exemple une combinaison noire ou bleue. On va la faire en noir. C'est la classe. Couleur secondaire, on peut mettre blanc. On va mettre une couleur parce que sinon ça va être un peu triste. Je pense que l'orange ça fait bien avec la moto. On va faire un truc comme ça. Et les détails, si je veux changer la couleur par exemple du casque, on va mettre un casque noir.
et on va faire retour. On peut changer notre numéro. Donc là, le numéro. Je pense que la musique est un peu forte, non, il me semble. J'ai l'impression. On va mettre un petit peu moins, on va mettre 9,6. On peut pas choisir tous les numéros, parce qu'il y a des numéros qui sont déjà pris par certains pilotes. Donc du coup, on va prendre. J'en sais rien. Allez, 64. On peut changer le nom de l'équipe, ça c'est cool aussi. Et du coup, on va l'appeler Proton KR2. C'est parti. Donc là, on est prêt. On a 10 crédits d'expérience que l'on peut attribuer à la moto. Donc la stabilité, le freinage, la vitesse max, l'accélération. Vous allez voir qu'au début, on se fait pourrir par les autres motos qui sont vraiment beaucoup plus rapides. Donc tout ce qu'on va faire, je pense que je vais améliorer vraiment juste ça. Je vais absolument mettre une accélération qui soit forte. On va mettre 1 et 1 là. Et les deux autres points, on va les attribuer à l'accélération et à la vitesse de pointe. Donc là, par exemple, on a plusieurs circuits tracés. Donc on a Suzuka, on a RRS, on a Le Mans, on a le Mugello, Assen, Donington. On a le Zatzenring aussi, on a le Brno, Valence et Phillip Island. Par exemple, on va faire Valence. Je ne vais pas l'utiliser apparemment, ils ne sont pas débloqués. Peut-être verrouillés. Ah, ils sont verrouillés, c'est marqué en bas à droite. Alors je pense que c'est un petit bug graphique. Normalement, je pense que l'écriture doit être blanche parce qu'on comprend pas ce qui est marqué. Mais voilà, je peux faire que Suzuka, donc on va faire Suzuka. Bienvenue au pays du soleil levant. C'est le printemps ici à Suzuka où nous allons assister à la première manche du championnat du monde MotoGP. Le Japon est un pays de contraste. Les coutumes ancestrales du poids des derniers cris de l'électronique et les grands prix de moto, bien entendu. Le championnat du monde fait une fois de plus escale à Suzuka, où les habitants sont heureux d'accueillir ces pilotes d'exception. Le Grand Prix du Japon se déroule à Suzuka depuis 1987. Faisant presque 6 km, ce circuit est l'un des plus longs du championnat MotoGP et également l'un des plus populaires auprès des pilotes et des fans. Suzuka est situé à 470 km au sud-ouest de Tokyo, la capitale. Ok, donc c'est parti avec cette petite vidéo plus sympathique, ma foi. Alors, donc, on va commencer une séance de qualification. Je ne peux pas régler la moto, en revanche, hein, ça c'est un petit défaut. Donc on va passer directement. Et vous allez voir, j'ai environ 10 minutes de session pour faire le meilleur temps. Donc c'est parti. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le jeu, on est en 2002, hein, je le rappelle quand même pour info, est vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Fluide comme jamais, enfin c'est vraiment optimisé aux petits oignons, et c'était vraiment à l'époque ce qui m'avait plus plu. Parce que c'est un jeu où on ressent une fluidité, mais c'est impressionnant quoi. En fait qu'en vidéo vous allez le ressentir un peu moins, ben, sûrement. Hein. Mais vraiment, il faut me croire sur parole, ce jeu est ultra fluide, alors encore plus maintenant. Donc là on va faire un tour de qualification, on peut être mort deux. Pour partir le mieux sur la grille possible. Allez, le double droite. Alors je joue au clavier, je précise, avec les touches de direction. Ce qui fait que c'est pas spécialement ultra réaliste. Vous voyez, par exemple, mon genou qui bouge en tape autant. Parce que j'ai aucune précision sur les touches. Et là, l'épingle est difficile à prendre parce qu'on a une maniabilité qui est pas très élevée. Et je crois qu'on pouvait un petit peu lever la roue aussi. On peut changer de vue. Alors la vue, je sais plus comment on fait. Je crois que j'ai oublié. Hein. Je sais plus comment on fait pour changer de vue. J'aimerais vous montrer, mais je ne m'en souviens plus. Attendez, on va voir si c'est pas là. Non. On va faire reprendre. Là, je suis complètement sorti. Alors le plus dur c'est vraiment doser parce qu'il y a une énorme latence sur les motos quand on tourne parce qu'on se balance d'un côté droite ou gauche. Et vraiment ça il faut prendre en compte quand vous voulez prendre un virage à l'avance parce que sinon bah vous allez tirer tout droit ou trop tourner. Par contre je sais pas comment on change la vue. Ah, j'ai vu la vue arrière. Vous voyez le pilote se retourne aussi pour regarder derrière, ça c'est quand même un détail plutôt sympa. Ouais j'ai pas fait un temps exceptionnel. Bon, j'ai pas trouvé comment on change la vue. On va essayer de retrouver. Je ne me souviens plus, hein, maintenant. Bon, le tour va être dégueulasse. On va essayer de faire un tour un peu plus propre tout à l'heure. Même si là, j'ai perdu toute la vitesse.
On va faire avec, c'est pas grave. Donc vous pouvez voir que là pour l'instant sur le classement on est très loin. Bon, on est 20ème. Mais ce qui est marrant c'est qu'il a pris que le point K, il a pas pris le. Il a pas pris le prénom Kim, c'est un peu dommage. Et le cas surtout d'avoir son nom écrit sur la combinaison. Alors on va essayer de faire un tour un peu mieux. La caméra qui se penche aussi, c'est vraiment un petit effet sympa. J'essaie de faire CTRL, ALT, voir si ça change, mais ça change rien du tout. Aïe aïe aïe, je suis sorti. Ah, j'ai pas eu trop de temps là. Alors on peut prendre l'inspiration sur les motos aussi. C'est quand même pas mal, c'est intéressant surtout quand on n'a pas beaucoup de vitesse de pointe en début du jeu. Parce que là vous voyez pas encore, mais quand on va être en course, on va se faire mais déposer. Et pour l'instant j'ai toujours pas trouvé comment on change de vue. Alors les sons sont bien rendus, même si là j'ai tout droit. Et voilà. Et là il m'a dépassé. Alors il y a une petite flèche qui nous dit qu'on peut prendre un peu d'aspiration. Voilà, là on a l'aspiration par exemple, mais on est trop loin donc ça va pas avoir beaucoup d'effet. Si je fais espace, il se passe rien. Alors 130, j'aurais bien le prendre normalement. Voilà, parfait. Ah oui, j'ai amélioré mon deuxième secteur, il est en bleu. Il est en bleu, mais c'est pas pour ça qu'on sera très rapide pour autant. On le voit en haut à gauche, hein, avec les trois secteurs, c'est les trois petits casques. Gris, c'est là qu'on n'a pas amélioré, bleu, c'est qu'on a amélioré. Là, par exemple, j'ai amélioré, mais c'est pas pour ça que je vais faire un temps énorme, on va voir. Voilà, je suis 18ème sur 20. On va tenter un dernier petit tour. Et on va faire une petite course. Alors ça va durer longtemps la course, ça va durer 5 tours, mais vous allez voir, les courses sont passionnantes. Il y a des endroits où on est plus rapide que eux et des fois beaucoup moins. Du coup, bah, on navigue dans le classement en continu. Surtout qu'au début, on est un peu obligé avec la moto qu'on a. C'est très difficile d'avoir quelque chose de consistant sur l'ensemble du circuit. Et encore là, par rapport au profil que j'ai créé tout à l'heure, j'ai amélioré un peu plus l'accélération et vitesse de pointe. Et regardez le vent qui nous met. Ah, par contre, il s'est loupé. Ça, c'est pas mal. Les IA font des erreurs aussi. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, là, par exemple, bon, il a accéléré 10 fois plus fort que moi. À vitesse de pointe, il va me déposer. Alors j'espère que le volume du jeu n'est pas trop fort pour vous. Et vraiment, ce jeu, c'était un coup de cœur à l'époque. Enfin, je suis pas trop jeu de moto hein, par rapport au jeu de Formule 1 ou Rally. Et j'ai vraiment pris mon pied à jouer à ce jeu. C'est pour l'inspiration un peu, mais c'est pas évident. Ouais, je suis à 253. Ah, j'ai l'aspiration quand même. Faut que je crois que je fasse attention à la surchauffe moteur aussi. Bon, là je l'ai pris à fond, du coup j'ai pu le rattraper un peu. Et vous voyez, je peux pas faire grand chose hein, avec une moto comme ça. Bon, je pense que j'ai fait un tour un peu mieux. On va voir mon temps en tour et ouais, 2-10 à rattraper, ça va être bon. Et du coup, je pars combien sur la grille? Je suis 13ème, donc on va faire échappe. On va faire échappe et on va... Alors, le volume, on va peut-être baisser un petit peu. Les effets, ça va. On va faire quitter les qualifications. Et du coup, on va partir 13ème. Donc, on va passer à la course. C'est parti. Et pour la vue, j'ai toujours pas. Donc on a une grille de départ voilà, qui s'affiche. Donc en deuxième ligne, on n'y est pas. On va être en troisième ligne, puisqu'on est 4 par ligne.
Et moi, les temps quand même sont assez élevés, hein. 6 secondes d'écart, enfin, par contre, les écarts sont trop gros par rapport à la réalité en moto, mais bon. Vous allez reconnaître beaucoup de licences, puisque les licences, ils sont dans le jeu. Petit sympa. Alors par contre, elles sont carrément à poil, les femmes. Alors vous voyez, il y en a qui vont faire des mauvais départs, d'autres qui vont faire des bons départs. Moi, j'ai fait un départ moyen. Mais déjà, voilà, il y a une... Je crois que c'est Cheka qui a foiré son départ. Alors, on peut se toucher, hein. On peut aussi tomber. Les touchettes sont autorisées. Je suis pas en mode difficile, donc il n'y a pas trop de gestion d'accélération. Mais si on accélère trop fort dans le jeu, on dérape aussi, on glisse vachement. Hein. Là, je suis entre les deux, donc pour l'instant, je peux accélérer à fond, ça se passe bien. Oh, j'ai jamais été aussi bien placé. Troisième. Et on a 5 tours à faire, donc ça va être un petit peu long la course, mais bon, pour vous montrer quand même un petit peu. Alors les freinages sont plutôt simples, hein, y a pas trop de problème, on part pas... Quand on freine fort, on part pas à l'avant, enfin ça reste quand même un petit peu arcade d'une certaine manière. Mais c'est ça qui est fun en fait, c'est que c'est super bien dosé entre le côté difficile du jeu et le maniement qui est quand même plutôt simple. Ah, Kawak et Pierre aussi, voilà, ça c'est vraiment une période où je regarde encore un peu la moto. Allez, il va me dépasser, Crivillier. Oh, sur la Honda. Ah, là, je suis bien placé. Du coup, je vais pouvoir prendre l'aspiration. Ah, c'est compliqué quand même, ils sont vraiment beaucoup plus rapides que moi. Bon, le 130R, si je le prends bien, voilà, je peux les rattraper. À l'extérieur, ce capir aussi, il va freiner, attention. Et l'accélération, il me repasse directement. Vous allez voir comment je vais me faire pourrir en ligne droite. Regardez-moi ça, Ikawa, quoi. Alors faire attention quand même parce qu'on peut tomber. Alors là je l'ai mis carrément sur le côté. Et vous voyez en haut à droite, enfin on a le compteur, mais on a aussi le compteur de chauffe. Et vous pouvez voir que par exemple je suis pratiquement dans la zone rouge. Ce qui fait qu'il va falloir absolument que je fasse attention à la moto. Aïe. Et on a perdu énormément de position, on est 7ème. Pourtant, je sais pas spécialement de vous dire, hein. C'est vraiment quoi là, bah, pour le moment, on a une moto qui est pas au point. Je suis quasiment dans la zone rouge. Hein. Ah, ils m'ont tous rattrapé, regarde. Et mon pilote qui s'énerve un peu. Et vous voyez par exemple là ça chauffe trop. Je sais pas trop comment faire pour changer ça. Il va falloir que je laisse un peu respirer la moto. Et pourtant j'aurai une ligne droite après, ce qui fait que ça va être très difficile. Ouais, pour le moment je perds des places, hein. Je n'en gagne pas. Ça commence à monter au rouge au niveau du moteur. Alors je peux aller un peu dans l'herbe, hein, ça va, c'est pas trop embêtant. Si on met un peu plus, c'est la chauffe moteur qu'on a. Oh ben voilà, on est parti complètement dans le truc. Ouais, je suis pas forcément tombé, mais je pourrais tomber, hein. Si c'est encore plus fort, je tombe.
J'ai beau avoir fait un bon départ, je me retrouve 13ème. La moto elle est en surchauffe complète. Bon, la musique est pas spécialement exceptionnelle en tout cas dans les parties, mais. Oula, là je vais me faire sortir par Cardozo. Et voilà l'accélération. Ah, j'ai passé derrière lui pour avoir le maximum de vitesse. J'ai la moto qui chauffe, mais vraiment énormément. Et voilà. Et malheureusement, c'est l'accident. Du coup, on est 20ème. Et il nous reste 2 tours à faire. Alors vous allez voir que les IA ralentissent un tout petit peu le rythme quand on est dernier. Ce qui fait que c'est pas impossible de remonter. J'aimerais bien trouver la touche pour changer de vue. Ah regardez, je peux mettre plus bas. Du coup je vais plus vite. Voilà, je vais essayer d'utiliser cette technique maintenant, j'ai compris. On peut se baisser légèrement. Je vous avoue que ça fait quasiment 10 ans que j'ai pas joué à ce jeu. On va s'en sortir mieux du coup si on utilise cette technique. Attendez. Pour l'instant ça se passe bien. Ouais, je suis remonté n'importe comment. Là je me rebaisse pour prendre le maximum de vitesse et accélération. Cette touche va nous aider hein. Alors attention. Je me baisse en virage. Je sais pas si ça change grand chose hein, mais bon. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, je me baisse. Vous voyez là, si je fais ça, je me baisse, hein, d'un coup. Ah, par contre, le chauffe-moteur est énorme. Du coup, c'est à utiliser avec parcimonie. Bonjour, monsieur parcimonie. Ah, du coup, on peut utiliser tout le temps. Allez, c'est un détour. Aïe aïe aïe, ben voilà. Malheureusement, c'est la chute de trop. Ah, c'est dommage qu'on était bien remonté. Bon, tout n'est pas perdu, on va quand même essayer de ne pas terminer dernier. Il y a quand même une possibilité de les rattraper, hein. Le jeu est quand même plutôt sympa pour ça. Mais la moto chauffe vite. Hein. Bon,
Je sais pas si c'est passé avec le pneu là, mais j'ai perdu du grip. J'ai pas utilisé ici ma capacité à aller vite. Voilà, c'est là qu'on va l'utiliser. De la température qu'on va monter d'un coup. Parfait. À l'intérieur sur cette Giberno. On est passé. On est passé au chausse-pied. Bah Lia, t'as plutôt été sympa. Et du coup, bah on finit, dixième. Voilà, c'est vraiment un mélange d'arcade avec une partie réaliste. Et ce qui fait que le jeu, franchement, est vraiment fun. Du coup, bah nous, on marque des 10 points. Regardez, on marque 6 points. On a un mode ralenti qui est plutôt bien fait. Et c'est là où je vais pouvoir montrer du coup la vue. On peut changer de. On peut changer si on veut. Par contre la vue je sais plus comment on la change. Précédent suivant. Ah d'accord, je pense que c'est avec cette touche à côté de W. Donc là on a une vue extérieure. Et quand même c'est assez impressionnant hein, pour du 2002. Dites-vous qu'à l'époque on avait Gran Turismo 3 qui venait de sortir. Il y en a quand même un cran encore au-dessus. Bon, on est sur PC, bien entendu. Mais regardez, c'est quand même vachement bien fait. On a le contour en temps réel, on a les kilomètres sur le côté, on a les effets d'ombre et de relief. Vraiment, vraiment nickel. Pas grand-chose à dire, en tout cas, sur le plan technique sur ce jeu. Hein, vraiment. Allez, on va arrêter le... On va arrêter le replay. Et oui, on a gagné un crédit. Ce qui fait que je vais l'améliorer, par exemple, pour la stabilité. Ce qui pourrait être intéressant. Et là, on va passer à la manche 2 à RRS. Bienvenue à la deuxième manche du championnat du monde MotoGP. Le coup d'envoi européen est donné en Espagne, à Jerez de la Frontera, plus précisément. Jerez est l'une des plus vieilles villes de la région, mondialement connue pour le Xerez. Elle est renommée pour ses élevages de chevaux et son flamenco, véritable institution locale. Jerez accueille depuis 14 ans la plus grande compétition moto de l'année, le Grand Prix d'Espagne. Nous voici réunis sur le circuit de Jerez pour la deuxième manche du championnat du monde à 100 km au sud-ouest de Séville. À côté de Cadiz. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jerez en plus, oui, Jerez en fait, c'est. C'est l'huile, je pense. Il a parlé de ça. Allez, c'est parti. On va faire une petite qualification. Juste pour voir combien on part. Et regardez, apparemment, il fait pas très beau. Alors, je peux bien entendu, si je veux, retirer la musique. Hein, ce que nous allons pas forcément faire. Puisque là, on va juste s'entraîner. Ah, il en a fait pour la Xara aussi. Alors j'ai amélioré la magnanimité de 1, donc ça devrait être un peu plus facile de tourner, mais vraiment légèrement. Hein. Je sais pas si par exemple la pluie ou autre change la manière de conduire ou de piloter. Alors c'était D je crois, ouais D pour se mettre en avant. J'ai complètement loupé mon freinage. Voilà, C je mets en avant, X... Oula. Alors attendez, on va,
On va juste tenter le X pour voir ce qui se passe. Ah, le X ça fait plonger, d'accord, ok. Bon, on va falloir faire un deuxième tour parce que je pense qu'on va pas réussir à faire un bon temps. Qu'est-ce que je vais faire? Par contre, ils en prennent pas la chicane comme en F1, ils prennent vraiment tout droit. Alors, je ne saurais pas vous comparer ce jeu aux versions actuelles de MotoGP 2018, 2019, etc. qui sont plutôt bien notées, ma foi, apparemment. Ça reste des bons jeux. Mais en tout cas, je peux vous dire que celui-là, c'est vraiment un jeu qui m'a conquis à l'époque. Donc, moi, je le recommande, bien entendu. Après, je pense peut-être que niveau du jeu en lui-même, il a vraiment vieilli par rapport aux nouvelles licences. Ça, c'est une évidence. Mais, franchement, je le trouve toujours intéressant pour s'amuser. Ce qui est embête, c'est que j'ai pas trouvé comment changer de vue, ça c'est vraiment dommage. Bon, je pense pas avoir mieux le premier secteur, mais on va faire mieux dans le deuxième et le troisième. J'ai vraiment des freins en mousse, en même temps c'est vrai que les motos ont plus de mal à freiner que... des voitures normales, ce qui est logique. Pareil pour les vitesses de passage en courbe, hein, pas d'aérodynamique quasiment. Même si maintenant, de plus en plus, en MotoGP, on peut le voir sur les châssis, il commence à y avoir des appendices, hein, ça commence à arriver. Ah, par contre vous avez vu là que j'accélère trop fort, l'arrière est parti. Malheureusement, j'ai perdu du temps. Bon, j'ai amélioré légèrement, mais c'est pas trop ça. On va partir du coup 18ème. C'est pas grave, on va faire fin de qualification. Et on va donc faire la course. C'est parti. Alors on va pas faire le circuit entièrement, on va faire la course, on va faire un ou deux tours. Et après ce que je propose c'est tester par exemple une condition différente. Parce que là on a un mélange soleil grisaille. Bon, les deux pilotes devant moi ont mal démarré. Ok, Robert s'en prend sur le côté sur la Suzuki. Non, ça peut pas. Alors je sais pas s'il y a améliore sa moto aussi, je pense pas. Ils ont tellement d'avance sur nous, comme on a dit, ça m'étonnerait. Mais à la fin de la saison, je pense qu'on va quand même vachement les rattraper du coup. Et là je me baisse pour gagner un peu de vitesse. Et on relâche. Et je suis complètement loupé, mais je m'y attendais. Hein. C'est moi qui m'énerve alors qu'en plus c'est moi qui le sors. Alors l'IA a tendance quand même à ralentir d'un coup quand on leur bat la route, un peu comme un Formula One, première Formula One. Ah, j'avais mieux réaccéléré malheureusement. Oh, bon, j'en ai sorti. Alors ce qui est pas mal, vous allez voir, c'est qu'on peut faire échappe. Et normalement, on peut voir la rediffusion. Voilà, on peut voir quasiment la fin. Regardez-moi ça. On va remettre la vue.
Vous allez voir le moment où je vais complètement le sortir de la piste. Je crois que c'est là. Ah bon, on l'aura pas vu malheureusement. Bon, c'est pas grave. On va revenir là. On va donc faire revenir dessus et on va faire reprendre la course. Donc on peut voir le replay en temps réel, ça c'est cool aussi. On peut voir toute la course si on a envie. Kenny West aussi, je crois. Non, c'est Kenny West, mais comment il s'appelle West? Je sais plus. Je confonds avec le chanteur. Ouais, il y a des moments où je suis quand même plus rapide et des fois bah beaucoup moins. Oh là, oh là, oh là, on l'a mis dehors. On a mis dehors. Alors j'ai pas de pénalité, je pense pas. Alors, on va finir ce tour là. Oh, le frein au maximum. Du coup, j'ai Giverno qui nous aura passé facilement. Oh, il y a un pilote qui est tombé. Attention. Oui, l'IA qui fait des erreurs. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe, vous le savez très bien. C'est quand l'IA n'est pas sur des rails. Oh bon voilà, c'était évident, là c'est le carton. Oh, 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 oh. Bon bah écoutez, on va faire échappe, on va essayer de voir. On va quitter la partie. Et on va faire par exemple une course, course rapide en débutant. Et voilà, par exemple, on va pouvoir changer de. Eh ben de pilote, hein, tout simplement. On a Kenny Roberts au numéro 1. On a donc bah, toutes les licences, comme je vous l'ai dit. Gary Marcoy, Jürgen Van Gomberg, Noriyuki Haga. Et justement, Olivier Jacques, on va pouvoir avoir le prénom de West. Harushika Aoki. Anthony West, ouais, c'est Anthony West, mais je me suis trompé. Et vous voyez, on a les statistiques en bas. Ça compte quand même qu'on peut vraiment les améliorer. On a Leon Aslam, Chris Walker, John Stickfeld, pardon, qui est un Suédois. Brandon Clark, sur le, qui est un Anglais sur une Honda aussi. On a le Team Honda toujours avec Barry Bidman, Mark Willis, Jason Vincent, Vladimir Kastka, Marcus Payton, Sean Giromi et Sébastien Gamber. Et du coup, ça fait penser que... c'est Anthony West, ouais, c'est ça. Et du coup, pour... normalement, il y a aussi... Voilà, on les a pas, eux. Mais on peut débloquer aussi Toru Okawa. C'était Giberno. Alex Crivillier. Norik Abe. En fait, c'est Norifuki Abe, il me semble. Hein. C'est pas Norik Abe, complètement. On a Carl Sheka, voilà, disponible. Shinya Nakano. Voilà, c'est Shinya Nakano et pas... Shinji Nakano, le pilote de F1. Donc, on va prendre... bah, je sais pas, par exemple, la pilote Yamaha. Et on va essayer la pluie, et on va prendre le Mans, le petit Le Mans, pour voir un peu ce que ça donne, les effets climatiques, et si ça change beaucoup de choses sur le maniement de la moto. Et là j'ai démarré trop tôt, donc du coup bah, j'ai perdu énormément de temps. Et là par contre l'avantage c'est que j'aurai une moto qui sera au même niveau qu'eux. Et vous voyez quand même c'est ultra saisissant. On a un motard qui est tombé. Oh là. C'est vraiment saisissant au niveau des graphismes, franchement regardez, on a les projections sur la caméra, on a le reflet en temps réel, c'est vraiment du temps réel, hein. sur l'eau. Alors je connais absolument pas le tracé. Alors en revanche, petite déception, vous allez vous en rendre compte rapidement, il n'y a quasiment aucun changement de maniement sous la pluie, et ça c'est vraiment un gros défaut. Par contre les effets sont vraiment vraiment saisissants. On est en 2002, hein, je le rappelle.
Trouvez-moi des jeux très très bien faits de voiture ou de moto en 2002, il n'y en a pas encore énormément. L'accélération, ouais, ça sent beaucoup mieux qu'une moto quand même qui est au niveau. Ouais, je ne fais pas déposer en ligne droite. Je connais absolument pas le tracé. Et oui, la projection, quand on passe derrière un motard. J'ai un motard parce que je connais pas le terme exact en fait. On a vraiment la caméra qui voit toute l'eau projetée dessus. Ah, c'est le pied. Oh, on s'est trompé, on a tapé les plots. Oh, attention derrière. En vrai, les chocs sont pas spécialement réalistes aussi, hein, ça reste un défaut. Mais bon, vu qu'on peut quand même tomber avec les chocs, ça reste plutôt bien rendu. Et les nuages bougent, hein, aussi légèrement. Bon, on sent que c'est sur une sphère à 360 degrés. Voilà, le passage dans la montée, là, c'était quand même pas mal. Alors, je pense qu'on peut faire le Mans entier. Enfin, j'imagine qu'on peut peut-être le faire. Ce serait plutôt cool, d'ailleurs. Et voilà, on est premier. Alors, ce qui est bête, c'est que je devrais savoir où se trouvent les virages, puisqu'on a le tracé qui s'affiche à gauche. On va à gauche. Et c'est Biaggi, hein, qui nous a dépassé, voilà. Alors on va essayer de finir la course. On s'arrêtera là-dessus histoire de voir si on peut gagner quelque chose, si on finit premier ou sur le podium. Pour l'instant on est quatrième, ça reste faisable. Alors attention, il va y avoir un virage un peu serré là. Oh, bon, on a tué AB, je crois. Ou Sheka, je sais pas. Non, Sheka est devant nous. Vous avez vu quand même le choc sur le plot. Alors, on va se mettre vers l'avant. En plus, ça chauffe un peu la moto. Bon, je le prends 10 fois mieux que ce virage. Regardez, je prends quasiment à fond. On va essayer de voir ce que ça fait si on remporte la course. C'est le dernier tour. Allez, on va arriver sur une droite d'arrivée. Bon, j'ai du bol, j'avais pas mal d'avance, du coup je vais pouvoir quand même finir devant. Et du coup on va remporter la victoire sur le circuit Petit Le Mans. Alors si on a une petite vidéo, on en a rien du tout. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Vous aurez compris, c'est un jeu qui est très très réussi. Pour ton époque, franchement, ce jeu a eu de bonnes notes et il les mérite largement. Je conseille ce jeu pour ceux qui veulent un jeu de moto qui est vraiment intéressant, plutôt sympa, avec un petit mode de carrière voilà, où on peut améliorer sa moto, on peut progresser, ça c'est cool. Qui veulent un jeu surtout qui ne ramera pas sur le PC s'il est un peu vieux, puisque c'est un jeu quand même qui marchait à l'époque déjà sur des Pentium 3. Donc je pense que même sur téléphone, il y a moins que ça tourne, enfin si ce jeu était sorti sur smartphone. Donc voilà, un bon petit jeu, bien sympa, mi-arcade, mi-simulation, plus arcade que simu quand même, et vraiment le pied total. Je vous dis donc à la prochaine, c'était MotoGP sur PC, il est sorti aussi en version Xbox, première du nom aussi d'ailleurs.
Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!